Comment nous y est, tout le monde? Bon bagaille, nous là. Pour qui nous? Même si nous posons, nous venons. Nous faisons une petite pause, mais nous venons quand même. Moi, janvier, c'est toujours calme. Il faut nous prendre un petit retrait, vous comprenez? Pour nous payer toutes les dettes, payer toutes les bagailles, nous finissons de m'embaucher. Et puis, nous avons parlé de la force. Donc, il y a déjà avec nous. Alors, je suppose que tout le monde très bien. Je dis à ce 5 février, nous avons 7 février qui est annoncé là. Pas trop mince, d'après ça qu'a dit. Donc, nous souhaitons pas gagner bien 200 dans le pays, ok? Parce que nous souffrons trop déjà, nous avons passé trop de misère et que nous n'avons pas l'amour encore. Je dis toujours que le peuple haïtien est un peuple qui est résilient. Alors, moi-même, je ne dis pas dire résilient dans le sens de. Ce n'est pas une qualité pour moi-même. Dans le sens lié en Haïti. Parce que nous acceptons trop de bagailles. Tout peuple est appelé à vivre. C'est-à-dire, le nous vivons côté opprimé, nous trop, nous kembe, nous coincé, nous trop, nous toute grimace, il faut que nous levions pour nous dire non, Abraham dit assez. Ça, c'est normal. En tant qu'être humain, faut que nous gagnions vie. Pas qu'il y a un côté bloqué dans le pays qui fait plus que 6 mois, 7 mois, le monde n'a pas passé, il y a tiré sur le monde, ça nous fait, fait crime, on a subi tout le monde. Donc, je pense que des fois, il faut nous dire, nous ne pouvons pas faire violence, mais il faut nous lever pour nous dire non, bah là, trop à tort, il faut le camper là. Parce qu'il faut nous vivre, il faut gagner Haïti. Ça nous va gagner pays là, comment? Oh, ok. On vient dans ça qui concerne nous. Donc, mes outils nous gagnent là, depuis nous, les outils ça, nous connaissons pour gagner review sur le régulateur. Ok, nous faisons trop de temps, puis le régulateur là, nous ne parlons pas vraiment. Nous gagnons un nouveau qui est tout cap connecté avec panneau soleil, il faut nous faire. Nous gagnons un virtual, il faut nous faire. Et maintenant, même si nous pas gagner l'autre. Yep, nous pas gagner l'autre. En tout cas, je vais vérifier. Donc, nous n'avons pas de balles là. Donc, nous avons une 20h72 vol là, il est là, il vient. Et que dans la semaine, si Dieu veut. Bon, vidéo commence. C'est-à-dire, commencez à me prêter. Nous allons aller net, rapide, deux vidéos par semaine. Ok? Nous allons vidéo, on a fait vidéo 24 vol là, bien avant, 72 ans. 72 ans là, et nous avons une batterie pour 72 vol là. Tout. Et que nous avons fait vidéo 24 vol là, comme promis. Peut-être on dit, on a fait ça, on a fait une autre vidéo, et puis on a fait 24 vol là. Ok? Très important. 24 vol là. Préparez-nous parce que son bar est complet, les sont plats complets pour Haïti, hein? Pour un cas normal en Haïti. Donc, et nous allons aller avec EPVR, qui est un bon régulateur sur le marché. Hein? Ok? Ça EPVR là, donc ça c'est un 60 ampères. Mais ça, mais garde quoi ce là? Garde quoi ce régulateur pour passer bien cher, 300 combien de dollars? Et puis avec l'homme, on achète un bar à 30 dollars pour vous dire la même performance. Faut nous pas nous mentir à la tête, nous mes amis. Hein? Donc, on a vérifié, je suppose. Ok. On a vérifié. Alors, bien entendu, si je pouvais une petite parenthèse, le nous fait review sur le régulateur, pas pour grand si je fais, pas pour m'emmerder, nous pour me prendre un nom. Non, surtout pas. Pour quelle raison? Parce que chaque batterie a une chemistry différente. La batterie pas concevoir pour charger les mêmes gens. Ou bien pour décharger même gens. Et ça fait toujours dire nous, faut que nous ayons information batterie, faut que nous checkions les vieux en ligne si nous pas gagner dans boîte là le acheter bon généralement on acheter batterie pas dans la boîte généralement juste ba nous comme ça et puis pour nous porter. Là on ça nous parler online, n'a juste marqué marque batterie et puis compare amen, marque là et puis modèle là et puis n'a joindre livre, n'a joindre toute data sheet, toute spécification, toute bagarre en ligne. À moins que son batterie t'a fait il y a quelques bagages chinois qui sont un difficile pour joindre. Oui, je me conscient quelques rares, mais généralement, tout bagarre en ligne, ok, de nos jours. Parce que nous sommes à l'ère de la connaissance, de l'information, ok. Donc, c'est ça, on vient tout bagarre à portée de haut. C'est juste pour faire un minimum, il faut pour un minimum de savoir, pour qu'on comprenne, pour chercher, aussi simple que ça, c'est simple. Donc, juste mettez-nous à ça, parce que tout le monde est intelligent. Depuis nous avons une base de l'école, nous avons une ligne, qu'on écrit. Et je pense que c'est un peu plus facile. C'est juste mettez-nous à jour. Mettez-nous à jour, vous l'avez dit. Posez des questions, demandez aux gens de nous pas connaître. Parce que quand il y a des gens qui se sentent gênés, pour poser des questions, surtout pas moi, je pose des questions à n'importe qui. Je ne parle pas de nos quartiers là, mes amis. Je ne parle pas de côté de la boutique. Je ne parle pas de côté de la boutique. Alors ça, pour tout le monde, je trouve normal. Mais comme ça, tout, si moi, je suis fait un bail, que je ne comprends pas, je dis, oh, comment on fait ça? Ça, c'est normal, oui. C'est comme ça qu'on apprend. L'homme, c'est qu'on ne va pas apprendre. Pas penser que au moins, c'est minimiser, minimiser tout. Surtout pas, ou pas comprendre, ou demander tout le temps. Et pour ça, je vais vous donner d'ailleurs, vous comprenez? Donc, je vais aller là, je vais aller dans deux vidéos déjà, regarde toutes les vidéos. Monsieur, nous avons un sérieux problème, monsieur, dame, je m'excuse, hein, parce que grand pile, mesdames, tout grand pile, dame qui relève, qui pose une question. Au moins trois autres.
ça fait 5 au total, au moins, il y a quelques mensonges peut-être. Parce que chaque fois j'ai un message, on me dit, hey, comment il a fait mon forme de bagaille. Et puis, il me dit, non, c'est pas un garçon, non, c'est pas un monsieur, non, c'est une dame. Donc, c'est ça. Oui, on fait une parenthèse rapidement pour nous venir à Saint-Dabdi. Chaque batterie, il y a des conceptions que vous faites différemment. Pour vous charger, vous faites différemment. C'est-à-dire, le ou prend le régulateur, là, juste connecter sur une batterie. Il y a une batterie, par exemple, qui dit, pour bon, 13 points, un exemple banal, 13.7 pour bulk charge. Ok? Et bien, absorption, nan, ou cap bon moins, un exemple banal, 14 points combien? Alors que l'autre qui vient a dit, bon 14.2, par exemple, lithium batterie, généralement, vous chargez plus vite que. Vous ne pouvez charger plus vite. Vous avez une possibilité ça, pour charger plus vite que batterie floated, gel ou bien AGM. Donc, il y a une possibilité ça. C'est-à-dire, des fois, il supporte un plus gros charge, mais généralement, batterie gel, sealed, le d'acide batterie, antigène prend un plus haut voltage que l'autre, quand le plus paraît solide. Okay? Mais chaque batterie a des chemistries différentes. De ce fait, il n'y a pas le même courant de charge, il n'y a pas le même temps, il prend moins de temps que l'autre. C'est pour ça que je prends le soin de faire vidéo. Ce n'est pas pour m'en aider, non, bien pour quoi que ce soit. Okay? Donc, portez attention avec toute information ça yo, s'il vous plaît, parce que yo important. Si une batterie n'a par exemple avec négligence n'a chargé yo, ou on a eu nos 2 ans, alors que si on prend le soin pour non seulement limiter 50%, c'est important, pas décharger batterie à plus que 50% capacité, alors on a parlé pour lead acid batterie. Lead acid batterie veut dire floated, sealed ou bien AGM, sealed c'est ça que tout acheté pas un côté pour ajouter liquide du tout yo. Open. Ou bien GM et puis gel, ok? Tout ça, LED signifie plomb et puis acide, c'est même acide sulfurique. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, et batterie ça, yo gagne même le yo LED acide, mais tout pas même chemistry, ok? Yo prend courant de charge ou bien de voltage pour bayo qui différent l'une de l'autre ou bien qui prend moins de temps dans tel type de charge l'une de l'autre. Par exemple, lithium batterie avec gel batterie ou bien sealed batterie, ça n'a pas de liquide dans le pouvoir ajouter des gens de base. Il n'y a pas besoin d'equalisation, ok? Très important. Donc, c'est tout base pour nous connaître, pour nous protéger la batterie. Parce que y a une batterie comme tu as dit tout à l'heure là, qui est en 5 ans, et puis nous même parce que nous ne connaissons pas ça pour nous faire, gens pour nous charger, gens pour nous utiliser, et puis pas nous 2 ans. Nous n'avons pas intérêt à gaspiller l'argent, ça va gaspiller, non, gaspiller l'argent. Donc, tout ça m'a fait important, ok? Pas pour grand-mère si nous faire. Ok. Nous parlons d'un PVA là, et comme ça, tout le monde dit, nous avons pile fake régulateur de yoa, cap marqué. Je vais acheter quelques fake pour montrer dans nos bonnes vidéos. Hein. Cap marqué 100 ampères MPPT, pas quoi yo, parce que on bagage 60 ampères, gade grosseur, mes amis. Ça, c'est logique, hein. Quand y a un cap dim, on 100 ampères, à bon petit bail, plus petit que ça, et puis pour la boire 100 ampères que ça, bon, pendant ce temps, ça va vendre 20 dollars, et puis ça, lui même la vendre 300 combien dollars. Peut-être non, on dit, genre, mes amis, travail au moins, pas prenant, faut m'amener. Alors, je comprends, on ne peut pas gagner dans ce moment-là, on dit, qu'est-ce que monsieur? Bon, je résigne, je servis à ça même qu'on n'est pas bon. Oui, il a bon petit temps pendant pour gagner comme là. Mais moi, je suis un monde qui est anti, j'ai quelqu'un dans ce sens-là, comme d'hab dit à l'heure, papa, il est résilient. J'ai quelqu'un pour me souffrir aujourd'hui, même qu'on est après-demain, je suis à l'aise. Tant pour me souffrir aujourd'hui, je dépense encore, et puis après-demain, je vais acheter un lot qui, puis bon, on va acheter, on va acheter plus ou moins encore. Des fois, c'est qu'un béquet, et puis, le ouvert corps pour tout le monde. Ok? Ok, on va regarder, ça c'est manuel là. Il y a un manuel. On va le mettre le tête en bas, donc c'est ça. Ok? Si on va regarder, il y a assez lisible. Ok? Et puis, ça a connexion pour ordinateur. On va faire une autre vidéo pour ça. On l'autre vidéo pour ordinateur. Alors, je dis, on ne va pas rentrer dans trop de bagages, mais il y a quelques abonnés qui disent, il faut plus de détails dans le courant de charge dans le genre de base. On a essayé. Gardez plus bas, ok? Mais il y a quelques bas qui dépendent de nous, monsieur. Pour vous dire franchement. Parce que c'est sûr que si nous apprenons pour nous décortiquer toute bagarre, après nous, un jour, nous n'avons pas même suffi pour nous rentrer dans toute bagarre, pour nous faire toutes les marches. Il y a quelques bagarres, c'est sûr, intéressé. Nous, quand vous l'autre partie, l'autre m'a sauté. Ok? Jean-Anel te dit, m'a sauté, t'as sauté et ambassade. Donc, en tout cas, m'a sauté, Anel Belizer, et t'as sauté ambassade qui fait à l'arrêter, chercher comme prétexte, Anel te dit, l'a évité.
Bon, fais une parenthèse. Nous faisons un petit politique parfois. Parce que politique, c'est la vie. Hein? Très important. Donc, oui. Et nous avons vérifié et manuel là, nous avons pris quelques barres, mais nous n'avons pas pris tout. Nous avons évité quelques. Pour éviter trop long. Il y a des gens qui prennent pour vidéo trop long. Même pas ce samedi, des fois, en pile là, c'est important. Des fois, en fait, c'est joke, mais quand même, assez souvent. Je pense que c'est sérieux. Hein? Ok. Donc, ah, il y a un problème là. Je vais mettre là en bas, je vais mettre une quimbelle. Bon, tu m'as dit là, donc c'est comme ça, nous avons ça déjà. Des fois, on prend une bague scolée déjà. C'est même EPV à nos premières. Et puis, donc, si nous avons un manuel, et puis nous ne pouvons pas gagner avec. C'est ça seulement, ok? C'est ça seulement. Mais gros seul, mes amis, 60 ampères. Mais comment le présenter? Ok? Si nous parlons rapidement, alors nous parlons sur ça plus. Il y a deux lumières là. On l'est là. Un vert et un rouge, mais on change de couleur. Il y a une jaune, vert là, une jaune. Rouge là, une vert tout, là, on change. Livre là-bas, non plus de détails. Ça va pas rentrer là-dedans, vraiment. Et puis il y a deux boutons là, on select et puis on enter. Mais nous ne pouvons pas changer les paramètres à partir de boutons ça, ok? On a besoin d'un petit 50 que nous avons prêté dans l'autre et d'Aikas Aluminium. Nous sommes de faire vidéo. Je vais ajouter vidéo pour nous, en tout cas. Donc, et puis qui ça encore, les marques MPPT, sont MPPT liés. Et puis ça a différent de. Moi, j'ai un 40 ampères dans le même style ça, qui va d'Aikas. Et puis, moi, j'ai un 30 ampères tout. Ça a différent complètement. Parce que ça, pour gagner accès à vis, côté pour mettre le câble, il faut ou démonter la couverture. Ça a une couverture de protection et puis le gagner l'autre pièce pour bien quimber le câble pour que le câble ne joue pas, pour ne pas secouer son dedans. Nous allons vérifier tout à l'heure, on va démonter. Donc, et puis après ça, il y a un ground là. Ok, si nous mettons la terre et puis il y a un. Nous devons vérifier les spécifications sur le régulateur. Tout le temps. N'importe quel régulateur nous achetons, il faut que nous vérifions les spécifications. Ok, ça, c'est les spécifications. Les dinos prennent des panneaux solaires 150 volts. Et puis, donc, nous avons tout le détail. Ça, on peut afficher pour nous tout. Et puis, il prend 750 watts sur 12 volts. Et ainsi de suite. Ça, c'est important hein, pour ne pas dépasser le voltage avec puissance d'entrée. Donc, nous devons dire ça, ok? Et puis, donc, c'est comme ça le présenter. Nous allons essayer. Nous allons rentrer dans tout le détail. Et puis, maintenant, c'est nous qui, à partir de, disons, non, deux semaines, nous allons arranger pour faire. Nous n'avons pas gagné un panneau soleil, tout comme mon abonné de proposer ça. Pour ça, nous achetons deux petits panneaux juste pour nous faire toute connexion et toute bagarre bien propre. Nous n'avons pas gagné un panneau soleil, mais nous allons arranger, moi, joindre. Yon équivalent, n'a pas besoin de barre pour compenser ça. Côté dans l'entrée panneau soleil, yon kounyan, n'a pas gagné. On barre qui pour alimenter le cap bal courant normalement. Pour nous cap vérifier tout bagay, faire tout contrôle. Ok, ensemble. Donc, nous pensons que c'est ça. Nous allons vérifier, nous allons démonter tout bagay. Alors, ça, li bon size cab, yon dans le livre, li bay tout détail. Ok, ça, dans le livre, li bay size cab, li bon tout un série d'informations qui paraît plus sérieux. Que d'Aikas Aluminium. Est-ce que le livre est bas? Le livre est bas et tout. Donc c'est ça. Et encore une fois, je me dis non, pas pigam nous montrer ma parler dans nuage. C'est libre non livre et bien bientôt toute information. L'homme dit, ma antigène insisté sur ça. Plusieurs monde posent une question sur lui. Et ça fait me tourner sur lui encore. Il y a un régulateur gagné deux bagailles pour nous contrôler. Avant, nous disons qu'on connecte avec la batterie non? Et puis nous ne mettons pas nos soleils dans le soleil. Deux bagailles. Premier bagaille, je vais répéter tout le temps, je dis ça. Je vais répéter pour nous changer parce que des fois, on a posé la même question et je ne vais pas comprendre. Premier bagaille, nous faisons le système noir en fonction de l'inverter noir. Si l'inverter noir c'est 24 volts liés, nous avons 12 volts qui ne peuvent pas marcher. Nous avons 36 volts, nous avons grillé. Nous avons 48 volts, nous avons c'est 24 volts pour nous baler. Ok? Si c'est 12 volts liés tout, 12 volts seulement pour nous baler, toute batterie système nous fait pour nous. Même si nous avons 50 batteries, nous avons arrangé en série parallèle, ou bien suivant qui type batterie nous a, ou bien si c'est batterie 12 volts, nous mettons tout en parallèle net pour nous gagner 12 volts, si c'est 12 volts liés. Mais si c'est batterie 6 volts, nous avons fait une série de 2 en parallèle, et puis dans les net, comme ça net, 2, et puis après ça, nous mettons en parallèle. Donc, c'est ça qui est important. Ok, ça c'est basé. On n'a pas besoin et d'a dit qu'on en y non, mais faut ou tendez. L'autre tendez faut qu'on comprenne. Inverter là,
a montré comment pour arranger la batterie sous quel voltage pour faire. Ça c'est une. Une fois fin fait, régulateur, admettons, on prend 24 volts. Inverter la fonctionner sur 24 volts. Si son inverter, ou pour quoi acheter, ou acheter une 24 volts, ou voulez faire le système sur 24 volts, ou acheter une 24 volts. Quand il y a là, l'arrivée dans le régulateur, on va vérifier, puisque son inverter 24 volts moins gagné, m'a vérifié sur 24 volts là, combien de volts que ça apprend de panneau solaire. Premièrement, ma batterie m'a pris 24 volts. C'est que je vais connecter la batterie en premier, comme nous connaissons. Combien de volts ça apprend de panneau solaire? Et puis combien de puissance la prend sous 24 volts là. C'est comme ça, régulateur. Il faut vérifier deux bagages pour régulateur. Voltage, il prend maximum voltage là pour ne pas arriver trop près. Par exemple, si ça prend 150 volts, par exemple, puis quand on fait la 148. Non, il n'est pas recommandé. Ok? À la rigueur, nous avons fait la 140, on dit. Yes, à la rigueur. Il ouais. Faut quitter ton marge pour. Puis devant, nous allons le regretter. Ok? Et puis puissance là et qui voltage d'entrée de panneau solaire et puis puissance là. Et puis après ça nous bon mais si n'a dépassé puissance là il y a quelqu'un qui supporte le temps pour ça qu'a dépassé pas trop loin mais pigano dépassé nous yo dit ça OK pigano dépassé et voltage et puissance c'est ça n'a pas endommagé système là côté nous qu'a dépassé puissance là tout petit n'est pas trop mal pour un de bon régulateur mais si nous dépassé et voltage et puissance problème sur l'Atlantique OK. Donc, nous allons rentrer dans les détails qu'on y a là. Je pense que nous disons tout le bagage. Hein? Ouais. Sinon, que nous allons faire un autre vidéo, nous allons blender nos vidéos. Ok, dans la semaine d'avant, si Dieu veut, je dis samedi, disons. On dit à partir de la semaine prochaine. On dit à partir de lundi, mardi, mercredi, semaine, on a bien deux vidéos par semaine. Ok? Ouais. Voilà. Nous allons lire le livre là et puis nous faire connexion. Ok, mais régulateur. Alors, contrairement à quelqu'un dans l'autre, ok, mais présentation, contrairement à quelqu'un dans l'autre, batterie à sous-boy site et puis panneau solaire à sous-boy site. Faut vérifier, faut nous lire. Puis quand maintenant, nous tout bagage, c'est même, mais ça me va le connecter, non. Nous ne pouvons rien tout fait, dans quel bagage tout fait dans la tête, ok, pas mettre dans quelle image tout fait dans la tête, non. C'est ça, nous, ouais, on a bien interprété. Faut nous lire. Ok, ça a différent, mais écoutez, pour nous, bien accès à Cabio. Et puis, je vais montrer, non, ça est différent, ça est complètement différent. Il me paraît plus sérieux d'ailleurs. Ok? Ouais, partie ça, il est démonté. Et puis, c'est là, nous avons un fuse là pour protéger. Ok, intéressant. Et puis, nous avons un ça pour qu'il y ait un câble, le câble passé, pour aller, par exemple, pour batterie. Ok? Et puis, ça est pour PV, comme nous avons dit. Ok? Ça a un câble pour mettre le plus solide. Et puis, ça c'est pour MT50, hein? Ça y a une... ok pour qui ça encore computer et puis l'autre chose c'est pour que nous pas gagner température sensor ok donc grosso modo c'est ça on a juste ajouter câble de lumière alors on connecte câble d'abord switch est toujours open hein breaker est toujours open on connecte câble d'abord et puis on va aller mettre switch on ok comme nous avons remarqué et ça a tout un écran là-dedans contrairement à l'autre là et il y a deux lumières une vert une rouge mais parfois rouge on a jaune abricot et puis vert là on a jaune tout dépend de il y a quelques informations à joindre dans livre là par exemple dans le manuel là. Par exemple, depuis la batterie commence à décharger, elle vient de bon couleur jaune, dans le vert. Soit le vert, et puis le rete est simple,
qu'on est que panneau est beaucoup de bagaille, mais les batteries normal, ok, panneau pas chargé, les normal, mais depuis la prochaine charge on peut le flasher. Et puis ça tout, en tout cas il y a pas tout détail de manière là, ça vient une couleur vert tout debout, deux lumières vertes à flasher qu'on est le full, il y a pas toute information dans le livret, ok. Donc grosso modo c'est ça. Et comme ça paraît, nous avons deux boutons, il y a un select, il y a un enter, mais ça n'est pas valable pour grand chose vraiment. On ne peut pas modifier tous les paramètres avec vous. MT50 a bon, plus de détails, plus de facilité. Ça, c'est juste pour l'autre, là, on a quelques options. Et ouais, ok, il y a nos batteries, batterie à 37.9 volts. Et puis ça, c'est batterie temperature, et puis load, information pour load, c'est bien ça, ok. De kilowatts, ça, c'est pour light, pour on-off light, les bonnes options, ça, ok. Mais ça lui-même, il y a une possibilité pour vérifier tout le bagage. Batterie voltage, ampérage, si batterie a pris charge, et puis ça c'est température, et puis ça c'est voltage, load là, ok, il est disponible, mais il n'y a pas de load vraiment. Ampérage que load là a tiré, et puis combien de kilowatt-heure que load là a consommé, et puis toutes les fonctionnalités ça c'est pour load, quel manque load là. Et puis le niveau dans la pour PV, il montre le voltage là, pas de PV, il met 0. Et si tu as un tu as monté combien de ampères que le panneau a bail, et puis combien de kilowatt-heure de charge que le tab bail, ok. Et puis ça, c'est pour batterie encore. Donc, même répétition. Donc, c'est ça, le bouton, ça va être une possibilité. Mais, MT50A, comme on a toujours besoin, c'est lui, on a fait véritable travail avec, nous allons entrer là-dedans, là, ok. Donc, nous allons mettre le câble là, pour okay, connecter la MT50A, à meter, et puis nous allons entrer dans les détails. Ça, comme on dit encore une fois, différent. De l'autre qui 30 ampères, 20, 40, bah, ça, ok. Nous avons un petit 50 là, comme nous habitués avec lui, c'est comme ça le présenter. Et puis à l'arrière, nous avons une possibilité pour nous jacquer. Même laisser allumer avant, de connecter le bon problème pour connecter le déconnecter. Il n'y a pas de sauter, ok. On va nous connecter, le va dire nous welcome, congratulations, ok. Et puis il montrer que c'est 37.9 vols que le reconnaître. Et puis c'est pour l'autre là, mais ça est disponible, ampérage pas disponible, ok. Grosso modo c'est ça, on va mettre ça à pistable parce que vidéo avant nous, elle t'en tient secoué. On va trouver même la prendre pistable cette fois-ci. Ok, on va retirer le plastique ça pour commencer dans un premier temps. Parce que le plastique ça antigen barré, visibilité non vraiment à l'écran. Empêcher nous voir trop bien, ok. Ok, on va partir. Escape c'est là dans le bon entrée, dans le menu. On ne va pas parler de notre bagage, sinon que on va détailler paramètres de charge beaucoup plus dans ça. Nous parlons de deux bagages, ok. Par exemple, nous faisons escape, monitoring, ok. Kabao. Monitoring veut dire regarder, ok. Vous pouvez regarder, on sait de toute bagage de charge, comment la voltage ou tout genre de bagage. Ok, nous dit ok dans monitoring, et bien du coup, mais ça panneau soleil ou bail, puisque le montre pas un panneau soleil, pas un panneau soleil là, batterie à mes voltages, bail mes ampérages, la prend, et puis si y a load. Mais ça mes voltages mais ça le tape, ok. Et puis qu'on y a nous fait flèche en bas, il va nos dates que nous allons modifier tout à l'heure, nous allons montrer comment modifier là avec le, ok. On descend tout ça, c'est juste one après, ok. Et puis il dit non charging energy pour des là, mais combien le bail par jour là, et puis mais pour moi, et puis total, ok, ça pour le bail. Donc et puis on descend toujours, ça c'est juste vérifier battery voltage que le bano, et puis current pour ampérage, mais ça le tape bail, mais elle va pas gagner, elle va bien. Et puis PV en tout, même ça nous sommes qui affiché sur l'écran, donc c'est toute information ça. Mais sinon que le baoul et puis le baoul contrôleur, température, charge contrôleur, et puis statut normal. Et puis yeah, donc c'est ça. Et puis pour l'autre là tout, c'est de même, baoul power, combien consommé, combien ampérage a tiré, et puis voltage. Et puis, vous manuel default qui est off, ok? Donc, et puis nous repartons à zéro. Ok? Donc, ça c'est déjà numéro 1 d'aller. Et puis numéro 4 là, c'est deux ça qui intéresse nous. Nous là. Et puis nous dit là, on a descendu. Dans device info, il y a une information sur charge contrôleur. On a dit ok. Il y a que nous sous système. Alors, il dit que le régulateur arrive jusqu'à 48 volts. Et puis, courant de charge, c'est maximum 60 ampères. Et puis, discharge current, tout 60 ampères. Donc, il faut ça, nous n'avons pas besoin. Nous avons juste à l'en ça concerne. Et puis, nous avons fait escape.
Et puis, test operation, c'est soit mettre sous l'eau de là, ou vous voulez tester pour voir comment l'eau de là réagit. Donc, nous n'avons pas besoin d'en loader, effectivement, parce que nous n'avons pas besoin d'overcharge, que vous avez la possibilité pour nous surcharger la batterie, pour nous reste. C'est là que nous parlons en détail, mais tout est écrit dans le manuel quand même. Donc, ok, nous sommes dans notre device info, et puis nous avons fait flèche en bas. Test operation, non, c'est pour nous faire test, pas besoin de là-dedans. Et puis, paramètres control, ok? Control parameters. C'est là qui tout bagarre là. Je dis, on n'a pas entré dans plus de détails là-dedans. On se dit, ok. Là, je suis la batterie par défaut, tout comme l'autre die cast aluminium. Nan. Donc, tout est PV, sûrement, vous voyez, sous sealed. Par défaut, hein? Et puis, 200 ampérage, nous allons entrer là-dedans tout à l'heure. Tout dépend de batterie bien courant, on va ajuster, ok? Ça a été qu'on y a abonné au quartier attention sur lui parce que non, ça avant vrai nous pas rentrer là-dedans mais cette fois-ci n'a pas rentrer là-dedans ok donc nous pas besoin de changer style dedans mais n'a vérifié tout bagarre après n'a regardé et puis du temperature compensation coefficient ok ça n'a pas rentrer là-dedans pas qu'on est pas rentrer là-dedans c'est ça qui batterie à banane non juste by over voltage discharge ok pour couper et puis limit charge whatever ça au voltage reconnection, equalization charge, tout ça yo n'a besoin yo, mais nous pas cap changer yo là parce que sous sealed ou bien même s'il sous gel ou bien même s'il floated, nous pas cap changer yo parce que tout une série de informations par défaut, c'est le nous parlons dans user n'a cap changer. Nous songe ça bien, OK? OK, n'a descendre boost charge, flow charge, libre au voltage combien vous voulez. OK, puis boost reconnect, low voltage reconnect, rien de base, OK? Under voltage reconnect, under voltage warm. Quand vous la rappelez, le commencez trop bas pour le fond bouillir bien bas de ce genre. Donc la paye l'eau à l'appel. Et puis low voltage disconnect, discharge limit. Ok, limit discharge là. Mon limit de ville discharge pour stopper, pour couper tout bas. Ok, éteint. Et puis equalization time, 120 minutes. Si batterie non manufacturé non dit non. On lot, n'a pas un lot, très important. Et puis, battery type, les sous-sealed. Ok. Quitte ces sous, on dit inter là. Quitte ces sous, elle m'a dit password. Ça, important. T'as l'air de me montrer comment on change password là. Password là, normal là, 000. Nous disons ok seulement. Et puis là, tout, bah, nous possibilité pour changer. Mais si nous besoin changer password là, pour si y'a un monde, nous pas entrer là-dedans, on va le montrer nous ça tout à l'heure. Donc, ok, le nom de battery type là. Si nous mettons par exemple sous on dit gel user pas non user nous on met sous gel ça est flow de gel ok n'a besoin nous dit pour save ok ok le save le sous gel là et puis n'a fait même pas yo ok et puis là bas nous toute information qui compatible avec gel batterie par défaut ça rien yo si nous même nous ouais parce que gel là pas besoin equalization gel là pas rien pour la fait bouillir en dans cellule vous comprenez et ça fait tout mettre à zéro pour nous donc les tout protéger batterie pour pas emmerder lui et puis si toutefois donc c'est tout ça li pré réglé pour nous sinon elle pas conforme à panneau ouais tout equalization li retire sinon elle pas conforme à panneau là ça nous va le changer nan user quitte nous mettre sous flow de tout nous va le vérifier rapidement c'est même bas là OK au lieu de gel on dit floated OK OK, on a dit save, OK. OK, et puis c'est même mal. On a fait flèche en bas. Les tout précalculer tout voltage ça pour nous parce que là on est sous 36 volts, OK. Donc c'est ça qu'on ça le fait, sous 36 volts hein, songez ça, très important. Sinon pas ouais, il est pas compatible avec panneau, nous juste aller dans user retirer. Nous allons dans user tout à l'heure. Flow de là. Alors, la seule différence n'a suivre là. Il y a une possibilité pour l'équalisation, il met 120 minutes. Si le panneau est différent, encore une fois, on peut modifier. Mais si le panneau est modifié, c'est dans l'user seulement qu'on peut modifier. Hein? Très important. Et puis, ok, donc on descend, vérifier tout bail. Et puis, après ça, on peut aller dans l'user, si on a besoin de modifier vraiment. Tout comme on a remarqué dans l'autre là. Et l'équalisation, après l'équalisation, on tourne là encore. OK, nous dit OK. Et puis là, nous parlons user par exemple, à partir de là, nous cap modifier tout ça nous voulons. Save yes sous user. OK, c'est à partir de là pendant sous user là, par contre, si nous voulons changer battery bank noir,
Ça c'est pour deux batteries par exemple, si nous avons deux batteries, chaque batterie c'est 100 ampères. Ou bien si nous avons une batterie, par exemple 225 ampères, nous allons mettre sur ça. Nous allons changer une série de détails là-dedans, et puis nous faisons flèche à droite. Là, nous allons changer pour batterie bank noire. Si nous avons par exemple deux batteries qui sont en série, par exemple qui l'étape sous 12 volts, et puis c'est 225 ampères, nous allons juste avancer, nous sommes 200 déjà, et puis nous mettons l'autre 2 là, flèche en l'air, 2. Et puis ça, on va mettre le 5. Ok, là, il y a une possibilité pour nous mettre 9999 mAh battery bank. Ok? Et puis 225, on va modifier ça. 5, hop, sorry. On va faire une en plus. 5. Et puis on dit, ok, si on a deux batteries, save. Ok, ok? Et puis là, il y a une battery bank noire, 225 ampères. Ça est important surtout pour absorption. Charge là, parce que absorption charge c'est environ 30 minutes pour 100 mAh. Donc c'est ça qui fait l'important pour bailler vraie valeur yo pour le protéger bateau là dans le sens. Parce que si vous mettez 200 par exemple, si vous quittez sous 200 alors que c'est 100 mAh batterie ou gagné, les câbles emmerdés, cellules batterie, trop les câbles fait le gâter un petit champi vite, c'est une garde dit comme ça, OK? OK. Et puis et puis on descend, ok, nous finissons, nous finissons ça. Nous changeons la batterie bank nous. Et puis on lance ça, si nous voulons changer, si nous voulons mettre rated voltage. Rated voltage, c'est voltage système batterie bank ou. Si vous quittez sous auto, la détecte lui-même, mais si vous voulez mettre spécifique, par exemple, c'est 36 volts, nous y est, système non 36 volts. Nous avons dit, on dit, ok, 12, 24, 36. Nous avons mettre directement sur 36 ans. Et bien, dire save, ok? Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous reset tout bas et tout. Donc, je suppose que c'est clair, ouais. Et puis, ça, nous pas gagné, nous pas là-dedans. Encore une fois, ça, nous pas gagné dans manuel batterie. Nous. Et puis, on n'a pas avancé. Flèche en bas. Ok, over voltage discharge. Je vais pas information sur ça, je vais pas changer. Mais si vous voulez changer, c'est de même, ok? Je fais ok. Et puis, on modifie ça, on modifie. Et puis, ça permet de descendre. Ok, la permet d'aller dans tout, actually, ok? Tout reste sûr, si nous continuons comme ça, pour nous tout modifier sans que nous pas besoin de peser, ok? Si nous pouvons finir, nous juste avancer comme ça, aller dans tout, jusqu'à ce que nous arrivions dans l'equalization. Si pas nous, par exemple, pas de banon, on 120 minutes pour l'equalization. Un exemple, tout, alors tout, là, suivre l'information nous gagne la batterie, nous. Ok? Si le pas de banon 120 minutes pour l'equalization, par exemple, l'état banon, on dit, on dit 60 minutes, ok? Si c'est là-bas, non. Ok, on va mettre 0 là. Flèche en bas, 0. Et puis on va juste mettre flèche en droite, 6 là. 6, et puis on dit ok, par exemple. Et puis on dit ok, encore une fois. Son exemple, c'est moi qui dis comme ça, ok? Comme ça, tout pour boost time, nan, si manuel batterie non là-bas, différemment, on va juste aller nous modifier. Aussi simple que ça, ok? Donc, on a sorti parce que c'est ça pour modifier tous les paramètres yo, pour les paramètres de charge pour la batterie yo. Et puis on a descendu pour montrer nous comment on changer le password là, si on veut modifier. Et puis, device password, c'est ça, ok? Numéro 7 là. L'autre chose c'est pour bail, comment dire, pour load most likely. On a le device, ça c'est information sous ça, MT50. Ok? Nous dit ok. Et puis là-bas, nous avons version, paramètre, et puis avec operating system qui sous l'IA. Ok? Donc, on va aller dans, par exemple, backlight, bah, si on n'a pas besoin de changer. Par exemple, si on veut changer de date là, c'est là, on va descendre, et puis, on va changer de backlight quantité de secondes, on va juste aller dans date. Par exemple, je dis on dit février, flèche en l'air. Février, je dis on dit. Aïe, ça va. On fait flèche à droite. Je dis, ah, par exemple, 5 février. 5. Et puis, on dit 2000. Je dis, ah, 2022, par exemple. À droite. Et puis, ça, Noël, facile. Hein? 2022, et puis, le A. On dit, Silda. 1h. Bon, on dit 2h30. Flèche à droite. 0, 2, non, ouais, nous avons modifié, ok? Et puis à droite, à descendre,
à droite encore, nous mettons ça à 0. 2h30. Et puis nous disons, c'est pas fini, ok? Ok. Yep. Et à l'issue. Donc nous comprenons, ok? Ça c'est pour l'heure. Quand il y a l'heure qui est affichée avec date là, l'heure a vérifié, on a pu les différences. Ça y a un device paramètre, ok? Pour ça, on a changé. Mais quand il y a pour password là, nous parlons de ça, on a descendu dans le numéro 7. Nous disons, ok, password par défaut, well, the device password. Original password, ou bien original là qui c'est 0 net, 6 0, et puis soit pas ajouter un nouveau password, ou pas ajouter. Mais faut pas oublier, s'oublier, ou n'a chaud. Ok? Là, parce que même si pour reset, il a demandé un password là. On va vérifier, on va le modifier. Ok? Ok, nous quittons la 0 net, nous juste avancer, parce que ça c'est original password là, il y a 0. Et puis si nous besoin changer ça, on va faire un jeu facile pour nous changer. On va dire 1, avancer. 2, avancez un exemple. Vous pouvez mettre n'importe numéro. Vous pouvez mettre 1 deux fois, si vous voulez. Vous pouvez quitter la 1 encore, mais juste pour le cap facile pour ne pas oublier. Et puis, nous disons 3, nous allons faire ça 3. Nous avancez 4, avancez 5, avancez et puis 6. Nous mettons comme ça, encore une fois, juste pour me rappeler. Ça, c'est notre password là. Et puis, nous disons OK, nous disons save. Là, nouveau password moyen, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets là-dedans, il ne peut pas faire. Ok? Par exemple, le nouveau reset, nous allons faire ça. Ok? Pour nous finir, nous reset, nous sommes dans tout le bagage. Nous allons reset pour nous mettre par défaut parce que nous n'avons pas de changer. Nous mettons sur user là. Ok? On vérifie un petit peu rapidement. Si nous allons, par exemple, dans control parameter, je vais tirer sur user et puis je vais tourner sur user pour voir si il a kembe, même si je vais ou bien si il n'a pas reset, il est supposé kembe. En tout cas, je vais vérifier. Hop, je saute sur user, mais je vais password là parce que je vais changer password là. Je vais demander password là, là, si je vais password là, je vais mettre 1 et puis je vais avancer 2, avancer, hop, 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 3, avancer 4. Avancer 5, avancer et puis 6. Donc c'est ça que nous avons password là, ouais. Il a accepté les bonnes possibilités pour modifier. Donc, on va le mettre sous floated par exemple, ou du moins sous sealed. On va le mettre sous sealed. Et sous sealed, on dit OK, save. Quand il y a, il prend tout le bagage par défaut, j'en ai défini pour seal batterie. Manuel là-bas, nous avons toute information ça. Et puis, on va le mettre là 200 mAh parce que c'est ça le fait par défaut. Sous mettre sous celle-là. Sous besoin modifier pour batterie bien courant, il faut mettre sous user. Ok? Aussi simple que ça. Les viennent pour, par exemple, deux batteries. Une batterie gel généralement compte 100 A, quelque là-dedans. Les viennent pour deux batteries gel 100 A, si vous avez deux batteries gel 100 A. Donc, ok. Et puis, on a quitté sous celle-là. Et puis, une sortie, par exemple. Et puis, on dit, on a retourné encore. On a retourné sous celle-là. Contrôle paramètre numéro 4 là. Nous allons mettre sous user, par exemple. Ou du moins, il faut vérifier un petit peu. Sous sealed. Pendant sous sealed là. Ah bon, ok, tout bas par défaut. On parle dans user. Ok, donc je dis user. Enter. Save. Ok. Quand y a là, on va vérifier toute salle de points pour user. Yo. Est-ce que c'est ça? De mettre sur 36 volts directement, ou elle est sur 36, il va sur auto, ou elle est bien. Ok, je vais changer trop, sinon que. Qualization time, de mettre. Oh, il retourne à 120, il va supposer, non? De mettre la 60. Bon, en tout cas. Donc. Oh, le reset ça, par contre. Le reset ça, parce que de mettre la 225, le reset li en un sens. De toute façon, nous parlons de reset, le reset li, parce que le tourne, de mettre la 225. Donc il faut nous tenir compte de ça. Si nous sortons, il faut nous rechanger, ok? Nous trouvons ça. Quand il y a l'arme, escape. Et puis nous allons reset, factory reset. Supposez qu'il a demandé un code. Ouais, factory reset, nous allons mettre la 0, j'en ai deviné encore. Nous disons OK. Et puis nous disons, est-ce que je veux factory reset? Est-ce que oui ou non? Ok? Yes or no? Nous disons OK. Et puis nous pesons OK. Puisque sous yes, ça. Si il était sous no là par exemple. Oh, on va avoir une possibilité là. Oh, flèche en bas. Ouais, flèche en bas. Ok.
Là, on a déjà fait chaud pour nous maîtriser. Ouais. Donc, on dit yes, ma factory reset. Yes. Recovery successfully. On a reset tout bien là. On va vérifier. Est-ce que l'app mette 36 vols? On te mette à sous auto. Signal non, par exemple, numéro 4. Control parameter. Et puis, il sous sealed. Malgré nous te mette sous user. Songez ça tout à l'heure. On dit rentrer. Il m'a demandé un password. Voilà, si je mettais pas sur le PAM, il n'est pas supposé reconnaître lui. Parce que je reset lui. Si je mettais 1, 2, 3, on a vérifié. Il doit dire mon password. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est supposé bon, mais oui. Ouais, password error, really? Parce que je reset li. Tout va recommencer par défaut, j'en ai venu. Et puis je me dis ok, parce que c'est 000 li. Je me dis ok, et puis bonne possibilité pour modifier paramètres. Donc, c'est ça, je pense que je vais rentrer dans plus de détails. Sinon, que monsieur, il faut nous les livres tout, hein? Faut nous les livres, parce que grosso modo, on a nos bases qui sait comment pour rentrer dans paramètres, mais on sait de reste travail qui est un peu personnel, parce que on dit souvent c'est. Et 10% du professeur et 90% de l'élève. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que le véritable travail là, c'est là qu'on peut le faire. Ok, donc c'est ça. Et puis, on va mettre le lit dans 1. On va passer 1, tu vois. Ok. On dit ok, et puis, tout le monde est normal. Ok? Donc, on a fini l'habitude de MT50 à Kounia. Et puis, il y a un petit chien simple. Sinon, il faut lire le livre là, on sait de bail pour qu'on ait. On sait des détails surtout dans soit utiliser l'autre l'imado pour qu'on puisse bagaille, ok? Ok, donc on va déconnecter, il n'y a pas de problème, mettez la 0, déconnecter et puis mettez là. Et puis, pas de charge, pas de panneau. Si tu as un panneau, tu as déconnecté le panneau d'abord. Mais pas de panneau, et puis ça là, et puis nous juste déconnecter pour éteindre. Aussi simple que ça, hein? De toute façon, nous voyons que chaque régulateur est un petit différent. Ça les rapproche de l'autre EPV d'Aïkas Aluminium parce que c'est même MT50 à nous utiliser. Mais je dis à nous rentrer dans plus de détails, surtout dans la batterie M-Produce, batterie bien que nous, il faut nous connaître qui est un peu à jouer. Ça a une spécification, ça a un petit détail qui est différent de l'autre régulateur. Et, mais quand même, ça sont très bons, c'est une très bon. Je ne dis très, il y a un bon. Et sinon qu'il n'y a pas de possibilité vraiment pour modifier le courant de charge là, qui est tout aussi important. Yep. Qui est très important. Sur ce, je vous dis tout le monde merci. C'était un réel plaisir pour me dire avec nous. Donc déjà là, on a tout le temps deux vidéos par semaine. Nous recommençons à même dire là. Kembe FM, à la prochaine.